Allez, bonjour les amis, Tino, Passion Maquette. Bon, on se retrouve pour la troisième partie du modèle T. Donc voilà, donc j'ai un petit peu bossé tout seul. Donc à l'intérieur, j'ai bossé un peu au niveau de l'intérieur je sais pas comment on appelle ça, on peut appeler ça l'intérieur de l'ambulance. Donc à l'intérieur, donc il demandait de peindre ça en blanc mat. Donc du coup, je l'ai peint en XF2. J'avais mis un petit coup de paint line un petit peu partout pour faire du relief et après j'ai remis encore un coup de XF2. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les brancards, je vous cache pas que je les ai un petit peu foirés, même bien comme il faut. Donc du coup, bah, je les ai laissés comme ça, hein. De toute façon ça se verra pas. Là pareil, il m'en reste un, vous savez, j'ai mis un petit coup de vernis dessus, mais je l'ai passé au pinceau et on va attendre que ça sèche. Peut-être c'est pas tout à fait sec encore, peut-être qu'il y a un petit bout d'espoir. Mais bon, j'y crois pas beaucoup. Donc à éviter, hein. Je pense qu'il faut le peindre et directement le foutre comme ça. Ou y mettre un coup à la bombe ou à l'aéro, tout simplement. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, enfin bon, ça arrive. C'est pas grave. C'est qu'en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait celui-là qui a dit le dicton. Ensuite, du coup, donc il restera les parties vitrées à mettre. Mais ça, on les mettra une fois qu'on aura peint tout le contour. Ok? Donc. Cette partie-ci, elle est faite. Voilà. Donc on en est à cette partie-là. Donc cette partie-là, donc ça, du coup, le brancard, je peux l'enlever. Hop. Voilà. On met ça de côté. Il nous reste cette partie-là. Et celle-ci, donc c'était en E. Il faut que je peigne juste le contour des fenêtres, là. Et d'ailleurs, il faut peut-être même que je peigne ce contour ici aussi. Il va falloir que je masque ça et que je fasse ce contour ici. Je masque ici. Et je fasse ce contour-là. Et ici aussi. Et il me demande ces petits trucs aussi. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ces espèces de petites butées ou boutées. Vous savez, les trucs certainement pour les quais. Tac. Vous savez, pour les mises à quai. Voilà. Pour les mises à quai pour que ça tape. Pour pouvoir descendre le blessé. Les blessés ou les malades ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez les amis, je crois qu'on va tout de suite, on va s'y atteler, on va faire un petit coup de masquage pour ça. Bon, je vous montre pas, hein, on sait comment on fait. Une fois que tout est masqué, je vous reprends et on mettra donc moi le E, je l'ai prévu en le E, je l'avais prévu en XF62. Donc le XF62, c'est cette couleur-là. Voilà, c'est cette couleur-là. Ok, et après le reste on le fera comme d'hab en XF11. Voilà. En tout cas, je voulais une petite parenthèse. Je voulais vraiment vous remercier, tous mes abonnés, tous mes nouveaux abonnés. C'est vraiment cool, hein. On s'éclate à faire nos petites maquettes et puis à partager tout ça. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous tous. C'est vraiment cool. J'espère que ça va continuer. J'espère que les nouveaux, ceux-là qui regardent les vidéos, s'ils peuvent s'abonner, ça sera aussi super cool d'ailleurs, hein. Je compte sur vous, les gars. Et puis voilà quoi, c'est un bon délire, je trouve. On s'éclate bien à faire tout ça. Donc voilà, les amis. Je finis de masquer tout ça. Enfin, je vais même commencer d'ailleurs. On va commencer par le commencement, comme dirait l'autre. Je commence à masquer tout ça. Et puis on est parti. Ok, les amis. Allez, à tout de suite. Je vous reprends dès que c'est masqué, hein. Allez, à tout de suite.